Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 4, évidemment, accompagné de Ada Wong, Separate Ways. Et nous en sommes à l'épisode 9, comme d'habitude, 4K 60 FPS. Plongez-vous dans une ambiance très sympathique, évidemment. Et on est parti. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir, s'il vous plaît. Je vous le rappelle à chaque début de vidéo, même comme ça, vous arrivez à oublier. Et ça, c'est assez terrible. Allez, on est parti. On sait qu'en bas traîne le serviteur. Il faut que j'abatte cette créature. C'est ça. Amène-toi. Voilà, ici, ça ira. C'est une arène parfaite. Il y a trois tonneaux qui m'attendent. Ok, bon. Waouh! Oh waouh! Ça, c'est de l'inédit! Je supporte pas qu'on me colle. Il est temps qu'on en finisse. Oh waouh! Ok. Ok. Yeah! C'est des bombes! Ok. Oh. Il est très résistant. À mon tour. Tu fais pas d'effort. Ah, il a quand même pris sa part, je comprends pas. Oh, je suis la salope du game, j'arrive pas à esquiver. Ok. Ok. Parfait. Waouh. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ben voilà, le frère, il fait même tomber une petite barrette de la gouvernante. Oh, ça s'arrêtera jamais. Oh, ça s'arrêtera jamais.
exactement ce à quoi je m'attendais. Ok. J'esquive. Ok. Ah vache, ça c'est féroce. Ok. Cascade. Ok. Ouais. Allez, c'est parti. Il résiste, hein, le saligo. Toujours là. Ah! Oh, c'est chaud! C'est quoi ce délire? Ok. Ça fait beaucoup là, non? Ok. Non, j'avais esquive, c'est une justice. Oh, mais c'est pas vrai. Hey, résistant. Encore une fois, hein, je crois. Encore une fois, les gars. Hein. Ça s'arrêtera jamais. Hein. Ah non, ça devenait pesant. Faut que je retrouve Louise. Ça va, elle est pas plus choquée que ça. On s'en remet vite. Ok. Tout ça, c'est de l'inédit, les gars. C'est du jamais vu, c'est du jamais fait. Même sur PlayStation 2, pour le coup. Donc, ça fait plutôt plaisir. Il nous reste en plus, qui plus est, pas mal de munitions. Donc ça, c'est aussi tout aussi cool. Et là, il n'y a pas d'autres récompenses. Putain, c'est des bâtards. C'est des vrais bâtards. Il y a une petite cible là. Peut-être qu'il y a un bonus. Je sais pas si on tire dessus. Je ne pense pas. Les frères? Bah. Faut passer où? Les frères? Ah, ok. Ada! L'enfoiré! Krauser! Viens me piquer l'ombre! Et on se bat avec lui. J'arrive. Ah. Désolé. Je crois que je vais pas m'en sortir. Je t'envoie mes notes. Elles seront utiles. L'ambre, Louis. Il est où? Merci de m'avoir aidé à me racheter.
Mais qu'est-ce que tu dis ? Merci, Ada. Tu sais, au fond, c'est cool d'être un bon samaritain. Essaie d'aider Léon quand je serai plus là, ok ? Tiens, justement. On dirait qu'il a besoin de moi. Léon ! Ok. Document obtenu. Je veux bien, les amis. Mais... ça, c'est ce qu'on a déjà eu. Les résultats de l'examen physique de... ont révélé la présence d'un plagiat dans son corps. L'infection a probablement eu lieu durant l'une de ses expériences sous la supervision du chercheur en chef Louis Serra. Nous avons tenté d'éliminer le parasite en utilisant une forme de radiothérapie expérimentale. Au bout de 16 minutes, a montré des signes de choc sévère et nous avons été forcés d'arrêter les rayons. Il a été déclaré mort peu après. L'appareil utilise la radiothérapie externe pour brûler le parasite depuis l'extérieur du corps de la même façon qu'un accélérateur linéaire employé dans le traitement du cancer. La douleur est immense et son utilisation peut être fatale. L'autopsie a confirmé que le parasite avait bien été détruit. Cependant, à la lumière de ces résultats, nous avons conclu que l'appareil avait besoin d'être perfectionné et ne pouvait pas encore dépasser le stade expérimental. Le manuel de l'appareil d'irradiation est joint à ce rapport. Les gars, j'ai peur, je crois que ça a bugué. Hein. Je vais vriller si je peux pas sortir, les frères. Hein. Oh non, putain, c'est là. Oh là là, va le trouver, le merdier, toi. Terrible. J'ai si peur. Ok. Ah, c'est là où il y a les nids. Superbe. Donc, ça veut dire que s'ils sont face à Krauser, ils sont déjà à la base militaire, eux, de leur côté. Hein. Nous, on est en train de quitter le château par le sous-sol, par les cavernes. Ok. Des bruits un peu commodes. Ok. C'est par ici. Tant des bruits vraiment peu commodes. Qu'est-ce que c'est que ça? On va passer par ici. Parce que c'est notre seul chemin. Attendez. C'est bon, je crois qu'on n'a rien loupé. Attendez, c'est pas dans les mines qu'il est mort, Krauser. C'est bien arrivé. D'ailleurs, très attristé qu'il y ait pu la scène aussi avec l'esquive QTE des lasers. J'aimais beaucoup, c'était une très grosse référence au film. Louis, les adieux devront attendre. Ah. Pas la peine de courir. On va enchaîner les boss. Léon, j'ai vraiment pas le temps de répéter, alors écoute-moi bien. Ton ami est au sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah bah t'as quand même un cœur. J'imagine que je devrais être remercié. Ouais, tu devrais. Ok, maintenant Krauser. Ok, bon... on sait jamais. Peut-être qu'il va apporter un truc qui règle pas du tout. Hein. Que dalle, mes grosses couilles.
Mes grosses couilles sur vos fronts, les gars, ça m'a que dalle rapporté. On est pas mal. On est pas mal. Et là, on est pas mal. Quoi d'autre? Ok, on est bien in. On va passer par ici. Très bien. Comment il peut déjà être là-bas? Ok. Waouh. Allez, dégage. Ne me raconte pas ta vie. Alors, il y a deux possibilités. Déjà là, c'est fermé. Ok, je vais quand même essayer, on sait jamais sur un malentendu. On va passer cette petite échelle. On va prendre ça. C'est terrible là, il y a beaucoup de choses. Souvenez-vous, après on avait avec Leon longé l'extérieur. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Oh. Ok. Là, il y a des choses là. Hein. Il y a des choses, on dirait un niveau de Donkey Kong, mon frère. Ok. Donc si j'ai bien compris, j'ai un petit parcours à faire du combattant. Regardez son corps, miskin. Ok, vous êtes prêts? Allez, on se barre. Cascade. Double cascade. Cascade. Oh non. Yes, je peux les récupérer en passant ma main. Ça, c'est beau jeu. Oh, un petit vendeur. Il y a du monde qui venait par là. Hein. Tu t'aurais pu... t'aurais pu m'aider. Oh non. Non, c'est bon. C'est bon, on est dans la direction des trésors. J'ai de nouveaux articles étrangers. Allez. Bienvenue. Régale-moi. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Ah ouais, t'as quoi, toi? Tiens, je te vends la barrette du gouvernement. Une affaire bien conclue. Et voilà. Je suis un connard. Comme tu l'as demandé. Je ne voulais pas faire ça. Rien de plus facile. I am a Connors. Sarah Connors. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Accélérer le rechargement. Ou la cadence, en vrai la cadence de c'est tir. C'est un travail qui demande de la finesse. En vrai la cadence de tir, bon merci mon frère. Qu'est-ce qu'on a là? Ces maudits insectes géants. Il y en a trois qui se cachent par ici, il faut s'en occuper avant que la situation ne dégénère. Éliminer les trois novistadors. Très bien, on va s'en occuper dans ces cas-là. Allez, c'est parti. On va s'occuper des novistadors. On va faire de la spinelle. C'est ok, c'est ok. La maîtrise est là, la maîtrise est là. Pas prévu ça, si. Prévu ça? Il y a un moment où c'était prévu ça? C'était prévu ça? Je sais plus. Hein.
Hop, c'était prévu ça, je me souviens plus. Hop, mort. C'est pas grave, niveau infiltration, on aurait pu mieux faire, mais enfin écoutez, c'est mieux que rien, comme disait Claire Chazal. À vous les studios. Des flèches explosives. Tiens, tiens, tiens. Dedans. Eh oui. Eh oui, Jeannette. C'était évident. Il y a trop de choses à gauche à droite là, c'est terrible. Objectif intermédiaire. Ah. Allez, allons faire cet objectif intermédiaire. Parce que dans intermédiaire, il y a médiaire. Oh waouh, je ne peux pas y aller. C'est très embêtant ça. Comment ça hein. Comment cela se fait? Ah, là non plus, bah dites donc. On veut mon mal. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je distribue, hein. Je distribue. Ah! Oh, fils de pute, il m'a fait si peur. Comment c'est possible? Oh, c'est pas vrai, frère, t'en as. Attends, eh, les gars, prenez ça, vous êtes morts instant, ça dégage. Voilà. C'est leur point faible. Bon, c'est chiant, là, de prendre autant que ce que je prends, là, non? Je sais pas. Ça gêne personne. Et là, leur sorte de pierre, là, de merde... Putain, on enchaîne les boss. En fait, là pour le coup, vu que c'est la version un peu raccourcie des aventures de Leon, on enchaîne un nombre de boss, c'est un délire. Ouais, j'avais besoin de le dire les gars, j'avais besoin de me confier quoi. On en a marre. Eh, c'est pas si facile que ça, hein. J'en utilise du soin, je te le dis. Attends. Il y a des trucs partout, je comprends rien. Il y a des sortes de cloches là-haut. Ça, je vois encore pas comment faire. Ah, d'accord. Je vois comment faire. Je vois totalement comment faire. Faut faire le tour maintenant après. Va falloir revenir ici, les amis. Blague. Waouh. Ceci est une blagounette. Va falloir refaire un tour. Ah. Waouh. Ok. Il y a un truc qui m'a tiré dessus, mais d'où? De là-haut? Je devais retourner en arrière. Là, va y avoir des trucs qu'on pop encore. Ok. Oh, un idol corrompu! Ça, c'est incroyable. Très bien. On y va. Putain, c'est par là.
va attendre un petit peu. Salopard. Attends, montre-toi. Oh, waouh. J'ai eu chaud. J'ai trop peur. Ouais. Pachando, pachando. Il y a un truc derrière. Et où peut-il bien être? Où peut-il bien être? Ok. Oh waouh, j'ai eu si chaud. Je la sens pas encore là, tu vois. Je sens que ça va encore swinguer. Oh. Ah. Ah bah oui hein. Ok. C'est une blague ou quoi? Non, sérieusement, c'est une blague ou... Voilà, je peux faire. Bon. Désolé, obligé d'être concentré à 4 milliards de pourcents. Il y a un truc que je piche pas par contre, c'est... C'est... Mon objectif là. Je dois tuer des sortes de gros insectes. Hein. Muerte, muerte, Matata, matata, Ok. Ok, toujours, hein. Toujours. C'est votre côté fondant croquant, ça encore, hein. Je me demande si l'objectif est pas derrière quand même, ceci dit. Allez, dégage. Je me demande si l'objectif était pas derrière. On va relire vite fait cette sorte de quête, hein. On va voir un peu ce qui s'y passe. Alors. C'est dans les documents, vous l'aurez compris. C'est dans le chemin de la pénitence et des falaises. 8 spinels quand même. Donc en vrai, ça vaut peut-être le coup dans le chemin. Chemin de la pénitence et des falaises. Et là, c'est l'ancienne chapelle. Donc il y a trois gros insectes à détruire. Donc c'est bien ce que je pensais, je l'avais loupé.
on y retourne pour voir un petit peu comment ça se passe. Chemin de la pénitence. Attends, faut peut-être... Ah, j'ai peut-être ma petite idée, hein, en vrai. Hein. Observer avec ça, hein, tout simplement. Qu'en pensez-vous ? Je sais pas, tout ça me paraît bien compliqué. Mais en tout cas, c'est ici, c'est pas ailleurs. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Salut. Je vais me démarrer ma petite enquête, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde. Bye bye.